Nous sommes vendredi, le regard sur la semaine avec la chronique libre du cinéaste. Jacob Berger a été forcé à regarder 5 jours de suite le journal télévisé. Il rêve ou il cauchemarde selon les moments. Ces nuits, je dors mal. Je sais pas pourquoi, mais je fais de drôles de rêves. Par exemple, la nuit dernière, j'ai rêvé que des milliers et des milliers de voitures, fabriquées par de moins en moins d'humains et de plus en plus de robots, quittaient les routes du monde entier pour être rappelées dans leurs usines. Une pédale d'accélérateur, un frein, un airbag à changer, rien de grave. À moins, bien sûr, que ce ne soit la vôtre. J'ai rêvé que les constructeurs de voitures, après avoir délocalisé et licencié en veux-tu en voilà, allaient maintenant dépenser des milliards pour rattraper leur petite bévue. J'ai aussi rêvé que le fameux effet domino emportait avec lui toute l'économie européenne. Dans mon rêve, un pays comme la Grèce, où l'on gagne en moyenne 1000 francs par mois, n'avait d'autre solution que d'encore diminuer les salaires. Ou alors, la Grèce perdait la confiance de ses voisins et badaboum. Si bien que, dans mon rêve, les ouvriers et les fonctionnaires grecs se sont soulevés contre leur gouvernement et ont menacé de paralyser le pays. À la fin, dans mon rêve, les institutions européennes finissaient quand même par avoir raison des Grecs. Du coup, tout le monde s'est mis à gagner encore moins qu'avant et était encore plus obligé d'avoir 3 boulots à la fois pour survivre. Mais ce n'était pas grave, puisque les banques étaient rassurées. Comme je dors mal, j'ai fait un autre rêve complètement bizarre. J'ai rêvé qu'après avoir gagné l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver sur un programme hyper écologique, une grande ville d'Amérique du Nord était obligée d'acheminer par camion et par hélicoptère des milliers de tonnes de neige et de balancer des dizaines de millions de litres de flotte sous forme de neige artificielle sur les pistes. Là aussi, ce n'était pas grave. Parce que même si on avait hyper pollué au lieu d'avoir hyper respecté la nature, les JO allaient quand même avoir lieu. Du coup, je me suis réveillé. Je sais vraiment pas ce qu'il prend d'avoir des rêves comme ça. Ça doit être la télé. Voilà, prochain journal.